Sur la page d'accueil, vous allez trouver votre compte utilisateur. Il est juste ici. Vous avez à entrer vos identifiants et mots de passe donnés par la médiathèque à votre inscription. Il peut arriver, malheureusement, que vous oubliez l'identifiant ou le mot de passe. Ça arrive à tout le monde. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller sur « Mot de passe oublié ». Vous aurez donc ce petit champ, ce petit champ à remplir qui vous permettra, si vous nous mettez votre adresse mail, de pouvoir vous renvoyer directement vos identifiants de connexion. Donc une fois vos identifiants rentrés, vous arrivez, voilà, sur votre espace personnel. Vous y retrouvez votre compte, vous y retrouvez également vos prêts en cours et vous retrouvez les suggestions si vous nous en faites. Au niveau de votre compte, vous avez la possibilité de changer votre mot de passe, celui qui vous a été donné lors de votre inscription. Donc vous avez la possibilité de changer le mot de passe qui vous a été donné lors de votre inscription. N'hésitez pas, allez sur l'onglet « Changer de mot de passe », vous arrivez ici, vous n'avez juste qu'à changer le mot de passe, à valider, et c'est fait. Et voilà, le tuto sur votre compte utilisateur est terminé. J'espère que ça vous a plu.